je vous montre un truc parce que je ne vous l'ai jamais montré. Quand vous ouvrez un jeu de cartes neuves, toutes les cartes sont dans l'ordre. Vous avez d'abord les cœurs, après les trèfles, les carreaux et les piques. Voilà, c'est assez joli. On va faire un truc, on va faire un jeu avec les jokers et la dame des corazones. Je vous explique le jeu, c'est très simple. Alors, je vous ai parlé du bonto. Le bonto, c'est un jeu d'argent. Dans la rue, je vous déconseille effectivement de jouer votre argent. Alors, on a la dame de cœur, le joker et le joker. Le but du jeu, c'est toujours de trouver la dame de cœur parmi les deux autres cartes. Mais oui, je vous montre une version pour les magiciens. On prend la carte ici. Alors, regardez. Juste là, on va mettre la carte. Juste ici, entre les deux. Et le but du jeu, pour retrouver la carte, regardez bien, parce qu'on a un bon plan, on va secouer comme ça, et automatiquement, la carte se retourne. Oh là là. On a 2 cm, mais on comprend rien à chaque fois. Je le refais une fois. On met la carte ici. Alors, il faut bien viser, parce qu'il faut que ça aille vraiment, voilà, entre les deux. Et juste ici, attention, la carte va se retourner. Vous êtes prêts ? 1, 2 et 3. Ah, et what the... Elle est rouge, frère, mais qu'est-ce que... T'as pas mis celle-là ? Mais non. Mais et non. Est-ce que c'est la reine ? Wouah ! Je vais vous faire un petit mélange américain, ça fait toujours plaisir. Ah, le mélange américain. Ah là. Oh là là. À l'américaine, show business. Je vais demander à 2 personnes de choisir une carte. Jules, tu veux choisir une carte ? Ouais, je suis chaud. Allez, je suis chaud. Choose one card. Et puis, une pour mon cher Norman aussi. Oh, ça fait plaisir. Le meilleur d'entre nous. Dis-moi stop ou tu veux qu'on s'arrête ? Stop ! Parfait, tu remets ta carte sur le jeu. Génial, je la remontre avant de tricher. Ah, yes. Avant de tricher. Ok, les gars, vous me dites, Jules, dis-moi stop. Stop. Parfait, tu remets ta carte sur le jeu également. Comme à la répétition. Voilà, comme à la répétition. Voilà. Allez, on va essayer de retrouver les 2 cartes que vous avez choisies grâce aux 2 jokers qui sont juste là. Voici le jeu. Oh là là, j'ai hâte. Un joker et un deuxième. Le but du jeu, c'est que les jokers vont aller chercher une des 2 cartes qui vient d'être sélectionnée. En fait, ils sont identiques, à l'exception de celui-là qui est un peu différent. Regarde. Il y a une carte qui vient de passer entre les deux. Entre frère, les deux comment jokers. Elle vient d'apparaître ? Et vous vous rappelez, juste ici, le 9 de trèfle. À qui appartient le 9 de trèfle ? C'est là, là. C'est à Jules et Max. Pas mal. J'ai... Ouais. Non, mais la première, c'est facile. La première, c'est facile. Maintenant, c'est toi qui vas retrouver la deuxième, mon cher Norman. Les 2 jokers ici, on passe la main. Comme ceci au-dessus des cartes. Ça, c'est joli. Si ça fonctionne, on devrait avoir exactement le même phénomène. Ouais. Une carte qui vient entre les 2 jokers. On va regarder ça tout de suite. Oh. Parce qu'effectivement, il y a une carte qui vient entre les 2 jokers. Mon cher Norman, ma chère K.O., quelle était la carte que vous avez choisie ? 3 de cœur. C'est ma carte préférée. Mais non. Je te jure. C'est pas vrai. Et quand on claque des doigts ici... Quoi ? C'est la mienne ! Mais non. Ce qui veut dire que depuis le départ, juste ici, messieurs, dames... Mais non, t'as posé la mienne tout à l'heure, ici. Mais non. Oh là 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 là. Sorcier exceptionnel. C'est exceptionnel. I get strung up from her loving. I wish she'd care to see. But she only cares when she's so inclined.